J'ai un peu regardé tous les commentaires que vous m'avez laissés, et c'est vrai que Be The Beginning est ressorti beaucoup de fois. Je voulais pas forcément en parler, mais après avoir regardé l'anime, je me sentais obligé. Du coup, je vais pas le faire, mais si je déconne. Aujourd'hui, on va parler de Be The Beginning, et Francis, balance-moi ce générique. Hey, salut à tous ces gens, c'est Rushmanga. Aujourd'hui, on va parler d'un anime que vous m'avez demandé beaucoup de fois. Non, parce que j'ai quand même reçu des lettres chez moi. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et surtout, dis-moi en commentaire pour toi quel est le meilleur hentai. Bon, c'est pas pour moi, c'est pour Francis. Ça sera peut-être le sujet d'une vidéo un jour, on ne sait pas. Comme on dit, seul l'avenir nous. En fait, j'ai oublié. Be The Beginning, c'est quoi? C'est un anime qui est sorti cet hiver sur Netflix. Et je peux vous dire qu'après Devilman, ça fait du bien d'avoir encore un anime aussi bien. Ça se passe dans un monde où la technologie est bien sûr avancée, où l'histoire est assez confuse dès le début. Parce que j'ai compris, dans l'histoire, tout le monde veut retrouver Killer Bee. C'est un tueur en série recherché par la police, qui sera guidé d'un enquêteur très intelligent du nom de Kess. Je vais arrêter de parler de lui au cas où il lâche une caisse. Non, parce qu'en fait une caisse, une organisation criminelle mystérieuse, où il y a beaucoup de suspense derrière eux, mais ça je vais revenir plus tard. Vous aurez compris, ils sont tous guidés par le même truc, par ce fameux Killer Bee. Vous avez peut-être rien compris parce que j'ai fait le plus simple possible, mais vous comprendrez mieux par la suite. Non, parce que si vous restez, une carte Google Play t'a gagné dans cette vidéo. Avant de venir en détail, je tiens quand même à vous parler de l'opening. Il dure 15 secondes, pas forcément intéressant et pas vraiment oufissime, mais il nous rappelle le côté criminel, le côté enquête qu'il y a derrière. Mais si je vous parle de ça alors que j'ai rien d'intéressant à dire, vous imaginez que c'est pour dire un truc. Ouais, il a fait beau aujourd'hui. Non, je voulais juste parler de l'ending, du nom de The Perfect World, chanté par Marty Friedman, feat d'autres personnes. On a là un ending qui vraiment surpasse les autres. Et pour être clair et net avec vous, je le passais jamais. On a là un côté mystère, série américaine et tout. Franchement, juste waouh. Bien sûr, je l'écoute en boucle parce que ça vaut le coup. Bon, quand t'arrives dans l'anime, la première chose que tu vois, bien sûr, c'est les personnages. Assez difficile de vous en parler quand même sans vous spoil. On a là des personnages plutôt bien construits, assez compliqués. En tout cas, au niveau de leur comportement, au niveau de la personnalité, etc. Perso, j'ai adoré celle de Kai. C'est un enquêteur plutôt intelligent, mais qui a l'air tout le temps fatigué. Genre, en gros, t'arrives pas à savoir comment il réfléchit, etc. Mais pourtant, il arrive tout le temps à nous surprendre. J'ai aussi bien aimé la personnalité des autres personnages. Genre, Koku, Lily, etc. Mais malheureusement, j'ai trouvé qu'ils étaient moins travaillés et qu'ils s'étaient focalisés plus sur leur histoire que leur personnalité actuelle. Au niveau des Karadzen, rien de bien impressionnant. Ils sont plutôt basiques. Du coup, je vais dire des trucs simples et expliquer ça de façon simple. Parce que vous êtes trop intelligent. En fait, ils ont des Karadzen assez réalistes qui se rapprochent fortement d'une personne Nanda dans la rue. Et ce qui, moi, m'a marqué personnellement, c'est les Karadzen de l'organisation qui nous permet de les démarquer des autres. Avec leurs tatouages, etc., on arrive facilement à les reconnaître. Bon, c'est un peu le but, vous allez me dire. Au moins, on n'a pas la difficulté de confondre certains personnages. On sait presque direct dans quel camp il est. Bien sûr, il y a une histoire derrière, mais je vais pas vous le dire pour pas vous spoil. Parce qu'en fait, ce que j'ai bien aimé dans cet anime, c'est que c'était un peu un mélange entre Zangtune no Terror et Death Note. Non, pas parce que c'est une bataille psychologique, mais parce que dans les trois, on a là un personnage plutôt intelligent qui va essayer de résoudre l'enquête, avec un personnage qui ne va pas tuer pour tuer. En tout cas, c'est pas son but premier, qui va bien sûr être recherché par cette personne intelligente. Donc pourquoi Death Note et Zangtune no Terror? Parce que c'est un peu le même principe, que j'ai adoré d'ailleurs. Mais là, il y avait un truc en plus. Vous allez peut-être me dire le côté science-fiction. Je vais pas vous le cacher que c'est pas ça, il y en a aussi dans Death Note, c'est juste tourné différemment. C'est juste que là, il y a un facteur en plus. Ce facteur, ça va être l'organisation. En gros, ça va être une sorte de triangle avec trois facteurs qui rend l'histoire beaucoup plus complexe. Mais dans ce genre, c'est vraiment oufissime, parce que je saurais pas vraiment l'expliquer, mais ce truc en plus, plus vous allez en apprendre, plus vous allez vous remettre en question. Certains détails qui arrivent après, voire même jusqu'à la fin, peuvent changer carrément les théories que vous vous faisiez au début, parce que vous allez peut-être en apprendre plus sur certains personnages, leur passé, leur vécu, etc. Mais ça, j'y viens juste après. Mais surtout parce que vous allez apprendre des détails qui vont jouer sur l'enquête, sur comment l'histoire pourrait se dérouler, sur la tête de mon ordinateur, et genre toutes théories que vous aurez fait au début sont forcément fausses, parce que c'est des trucs qui bloquent carrément tout ce qu'on pensait. Et moi, je trouve que les twists comme ça, c'est intéressant parce que ça relance l'histoire. C'est un peu comme si tu recommençais tout à zéro. Et ça, ça se rapproche au point que je vais aborder tout de suite. Qu'est-ce que ça a dit? Du genre, t'es dans l'action dès le début, tu sais vraiment très très peu de choses, mais assez bien sûr pour t'attacher à l'histoire. Et genre, ce côté enquête, tu vas forcément trouver ton point de repère parce que toutes les réflexions sont expliquées. Et genre, ils utilisent des personnages moins intelligents pour nous faire comprendre certaines réflexions qu'on avait peut-être pas compris auparavant. Du coup, en tant que spectateur, on n'est jamais mis à l'écart, on sera toujours dans cette ambiance de twist, etc. Certaines intrigues qu'on connaît même pas vont nous donner envie, bien sûr, de regarder la suite. Si je devais quand même donner un mauvais point, c'est pas vraiment un point négatif, mais je tenais quand même à le dire, c'est que le steak, vous le demandez plutôt saignant, plutôt bien cuit. Non, plus sérieusement, il y a des détails que j'ai vraiment eu du mal à avaler, non pas parce qu'ils étaient incompréhensible, parce qu'au final tout ce qui a été dit colle parfaitement à l'histoire, mais surtout parce que je trouvais que c'était de trop. C'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai eu du mal à m'attacher à ce personnage qui peut transformer ses membres en armes, parce que genre en soi c'est expliqué, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était peut-être trop science-fiction pour moi. Vous inquiétez pas, c'est pas un détail qui m'a énormément gêné. D'ailleurs, je peux vous le dire que je le rentre facilement dans mes chefs-d'œuvre, mais c'est quand même un certain détail que je devais vous en parler. Je tenais quand même à vous dire pourquoi regarder cet anime, parce que je veux le conseille, parce que d'autres personnes veulent le conseiller, et parce que Francis veut le conseiller aussi. Pas vrai Francis? Ouais. En vrai, il est pas là, j'ai dû faire la voix. On a là un anime tellement intéressant et je m'y attendais vraiment pas. Il arrive facilement à me convaincre au niveau du mystère, au niveau de l'intrigue, au niveau de l'enquête. Mais ce qui est encore plus bluffant, c'est vraiment le côté science-fiction. Parce que croyez-moi, c'est difficile de faire des animés de ce genre avec le science-fiction. Bien sûr qu'il y en a des très très bons, mais lui se glisse facilement une place entre les autres. Et bien sûr, je parle là des meilleurs. Les OST, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais ils vont nous entraîner dans l'ambiance qu'ils essayent de donner, celle de la réflexion, du suspense, etc. Et que même si au début on sait vraiment rien, on va apprendre petit à petit, et vraiment sur la fin, on va tout savoir. Enfin presque, parce que malgré que ça soit compliqué, ils vont quand même nous expliquer. Et des fois même par le biais de certaines conversations qui sont pas là pour ça, mais pourtant ça nous donne des détails. C'est comme un Cluedo géant, et ça j'achète. Bon après, ça dépend le prix, parce que
si c'est trop cher, j'ai pas les moyens. C'est un animé de seulement 12 épisodes de 23 minutes chacun. 23 minutes parce que vous allez écouter l'ending jusqu'au bout. Il est sorti il y a 2 mois, il touche pour genre mystère, science-fiction, thriller et comme thème détective. C'est un animé déconseillé aux moins de 16 ans parce qu'il y a bien sûr du gore, il y a un peu des meurtres et quelques autres trucs mais pas vraiment importants. Il nous vient tout droit du studio d'animation IG ou LG, je sais pas trop, et disponible sur Netflix. Bref, c'était Rochemangueuse, je vais parler d'un animé qui s'appelle Be the Beginning. Je sais que beaucoup en ont déjà parlé mais je tenais quand même à donner mon avis dessus parce que vraiment j'ai trouvé ouf. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Dites-moi en commentaire pour vous quel est le meilleur hentai. C'est du troll mais sur un malentendu, peut-être que Francis fera une vidéo. Bref, c'était Rochemangueuse, on se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Attendez, j'ai juste un truc de ouf à vous dire. Non, parce qu'en fait, je...